Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et aujourd'hui je suis à nouveau avec Bernard. Bonjour. Je t'ai présenté dans une vidéo précédente où on avait décortiqué un de tes harmonicas et aujourd'hui on va passer au crible un autre de tes modèles. Vidéo n'est pas un placement produit. J'ai acheté cet instrument il y a peu. On vous donne simplement l'avis dessus. Le Rocket de chez Honor. Le modèle est sorti courant de l'année 2014. Pour la construction, c'est un peigne en plastique, les plaquettes sont en laiton, les capots sont en acier inoxydable, le tout est tenu par des vis. Il est fourni avec la même boîte que le Marine Band Deluxe, estampillé Rocket pour l'occasion. Il est disponible dans toutes les tonalités standards et la fabrication est allemande, normale, la marque est de ce pays. Pour les tarifs, cela va de 37 euros à plus de 58. Mais faites attention aux frais d'expédition, ils peuvent alourdir la note. Je me suis posé pas mal de questions quand je préparais cette vidéo. La première d'entre elles, c'est qu'est-ce que ce modèle apporte de plus que le Special 20 de la même marque? Est-ce que ça serait pas un cross Harpe bis, c'est-à-dire un modèle certes plus stylé, mais vendu beaucoup plus cher sans que ce soit réellement justifié? J'ai fait deux vidéos concernant ces deux modèles et je vous invite à les consulter pour avoir quelques points de comparaison. Déjà au démontage, on trouve des vis titane qui sont plus résistantes aussi bien à l'oxydation qu'à la déformation. On a aussi le droit à un petit ergot pour bien positionner les plaquettes sur le peigne. Ça, c'est hérité du cross harpe. Particularité aussi, le bord du peigne est arrondi. Bon, ça se sent à la prise en main, mais pour moi, ça reste de la subtilité. Autre chose que j'ai pu noter, c'est que les bords du capot ont été repliés à l'intérieur de l'instrument. De chaque côté du capot, il y a une ouverture qui, selon le constructeur, permet de mieux entendre l'instrument quand on joue amplifié. Au final, on sent vraiment une fabrication plus soignée. On est face à un instrument qui serait un espèce de Special 20 de luxe. Donc, si je reprends ma classification, je le mettrais dans les harmonicas plutôt milieu de gamme. Maintenant Bernard, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce Rocket? Eh bien, au départ, je suis guitariste et sans dépenser trop pour un premier instrument de qualité et facile à entretenir, j'ai pu m'acheter ce Rocket. Même si c'est en découvrant le blues que j'ai découvert les plaisirs de l'harmonica, j'apprécie ce Rocket pour mon rock un peu grunge. J'ai aussi une connaissance qui l'utilise pour faire de la musique traditionnelle. Il m'a donné une petite bricole à faire, mais j'y reviens un petit peu plus tard. Maintenant, les atouts, comme souvent chez Honor, vous le fournir ne sera pas spécialement difficile. Certains détaillants en ont en stock ou peuvent vous les commander facilement. Et ça, c'est sans parler de la disponibilité d'Internet. Et les vis de meilleure qualité aident à l'entretien. Pour les inconvénients, comme souvent chez Honor, la marque vous fera payer sa place de leader du marché. Cet instrument est franchement plus cher que la concurrence pour les harmonicas à peigne plastique. À côté de ça, une quinzaine d'euros en plus pour des vis en titane et un ergot en plus, ben je trouve que ça fait cher. L'astuce qui m'a été donnée consiste à poncer l'ouverture de l'harmonica avec du papier de vernissant et de passer de la pâte à polir avec un petit chiffon de manière à ce que l'instrument glisse mieux en bouche. Alors, est-ce que ce Rocket est fait pour vous? Je pense que si vous avez un Special 20 qui vous convient, mais malheureusement qu'il arrive en fin de vie, ce Rocket peut être intéressant dans votre cas. Il vous permettra d'évoluer et de trouver peut-être une petite motivation pour continuer à jouer. Voici la liste par marque des modèles d'harmonica dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et voilà, j'ajoute le modèle du jour. Bernard, merci de nous avoir permis de découvrir ton Rocket. On se revoit à l'occasion. Avec grand plaisir. Avant de nous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de déclencher la petite cloche pour ne pas louper les notifications. Si vous voulez que je parle d'un modèle en particulier ou que vous avez quelque chose à dire sur le modèle du jour, n'hésitez pas, vous avez les commentaires. Mais surtout, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. On vous dit à ciao et à la prochaine.